comment nous y a d'autres monde, bon bagay, tranquille. En tout cas, je suis très apprécié tout commentaire yo, toujours continuer à commenter, tout ça nous besoin, m'a toujours là, moi là pour me toujours banoul, ok? Redja Sola là avec nous. Et dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de plus bon inventeur qui gagne yo. Tout dépend de un monde, je ne vais pas dire ça, c'est le plus bon, c'est suivant monde. C'est-à-dire, il y a un monde, c'est poche qui est intéressé, il ne va pas dépenser trop d'argent. Il y a un monde tout, c'est technologie, il y a besoin de bagarre pendant que je suis à la caille, il y a un téléphone yo là, et bien contrôler comment l'inventeur va fonctionner, toute puissance, et il y a un alimenté, et puis sa batterie va bien là-dedans, un bon voltage batterie. Comme ça, tout, il y a un monde qui a besoin de bagarre qui est durable. Donc, nous parlons de tirer les mains et venir sur bagage aujourd'hui là. Ça nous parle parler de yo, c'est low frequency inverter que couramment te connaît, ça gagne gros chargeur là dans yo. Et puis nous gagne high frequency, il pas gagne gros chargeur, il pas gagne chargeur là dans du tout lui-même. Il pas gagne gros transformateur, yo même yo très plat et bien vendre plus bon marché. Et puis nous gagne hybrid inverters. Nous parlons parler de trois ça yo. Un petit détail rapidement, low frequency inverter yo durée de vie yo plus longue que high frequency inverter. Yo. Premièrement, yo gagne un système de protection qui est plus efficace en termes de court-circuit. Si vous avez un court-circuit qui a fait sous yo, il y a plus qu'à résister avec elle. Je ne dis pas qu'on gâte, non, il va samedi. Yo qu'on gâte, soit fait tout le temps et suivant compagnie. Il y a une compagnie qui a un système de protection qui est vraiment efficace. Donc, nous pouvons choisir en fonction de garantie que compagnie yo ba yo, et puis avec système de protection. Hein, et puis durabilité ou ben généralement low frequency inverter que nous connaissons gros transformateur en dedans yo a yo gon durée de vie qui valait de je dirais 20 ans et plus 20 ans et plus c'est high frequency inverter qui gon durée de vie valable entre 5 ans ou bien et, suivant j'en gère là les gars bon légèrement plus ou du moins c'est capibiti toujours les gars bon moi donc et, parce que ça yo très fragile. Généralement, c'est très très fragile à court circuit. Okay? Moi, j'ai gagné, ça m'utilise, qui prend court circuit, qui ne pas sauter pour autant. Je m'a mentionné la vidéo, je m'a parlé de lui. Mais quand même, généralement, high frequency inverter est très fragile à court circuit, ou du moins, c'est pour excéder puissance. C'est-à-dire, puissance continue que vous avez là. Okay? Continuous power, de pour dépasser, par exemple, sous stade, on si, gros si électrique, yo, sous lit. Et les gens tout boule, MOSFET tout boule, bah c'est fragile. Les gens qui circuit tout, généralement même sous un breaker, MOSFET y a une tendance pour frapper. Vidéo aujourd'hui à plomb, mais la banon détail pour si toutefois nous besoin font choix ou bien si nous besoin parler au monde de qui inverter nos pensées qui bon n'a pas deal. Et encore une fois, pour me continuer à m'abdire, low frequency inverter a une durée de vie qui est plus longue que high frequency inverter ou bien hybrid inverter. Ok, high frequency inverter vend plus bon marché que tout. Hybrid yo même, yo juste prend ni voltage panneau soleil, ni voltage courant de ville ou bien génératrice, et puis yo mettez en AC baou. Alors yo convertil en AC baou juste pour cab utiliser. Et puis yo gen chargeur cap charger batterie. Kit yo prend courant de ville là, ou bien yo prend panneau soleil yo permettre ou charger batterie. Ok? Et, à part ça. Nous avons deux ou bien trois inverteurs qui font hybrid inverters, mais ils même fait pour un plus gros niveau pour utiliser la carte foncée des bagailles. Nous avons par exemple Outback Radiant Inverter Charger Series. Ok, je vais montrer nos photos. Et puis nous avons Morningstar Multi-Wave Solar Inverter Charger. Et puis nous avons tout Solark que je vais présenter dans. Ok, bah là, nous allons le marquer. Donc c'était ça. Et puis, hybrid inverter, comme nous connaissons, nous disons là, ils ont même tout chargé là-dedans, ils ne prennent ni panneau soleil, ni courant de ville ou bien génératrice. Et puis, ils ont fait l'entrée pour utiliser chargeur, pour charger batterie. Et puis, si ils prennent courant, ils ont tout automatic transfer switch, même genre avec low frequency inverter. Low frequency inverter, ils ont tout chargé là-dedans, ils ont tout automatic transfer switch là-dedans, tout, pour si ils prennent courant ou bien si génératrice en éteint, pour tout kembe. Tout bas non a fonctionné, ok? Sauf high frequency qui est inférieur, il n'y a pas vraiment une option ça, il n'y a pas rien. Et puis, il y a un plus bon marché. C'est-à-dire pour moi qui a fonctionné en dehors de courant de ville, ou juste gagner pour utiliser le bon marché et puis utiliser le panneau solaire. Donc, c'est ça, nous allons parler de ça aujourd'hui là. Et puis, je ne vais pas dire qu'il y a un qui est plus bon que l'autre. Et encore une fois, nous ne pouvons pas bailler un ordre chronologique.
nous juste bail une après l'autre suivant option suivant compagnie une compagnie bail plus garantie que l'autre une compagnie bail puis bon service clientèle suivant monna l'a connait si le besoin bagaille qui purement technologique côté la téléphone il a bien toute option là-dedans ou bien sur laptop il a modifié tout paramètre par exemple mon exam dit non et il veut demander ça n'a pas présenté mais quand même il gagne en possibilité pour aller sur laptop ou le bon SD code ou cap modifier tout paramètre que yo préinstaller en série de sur lui et pour même ou cap modifier son besoin suivant qui bat drop servir et puis ou insérer SD code là-dedans. Et puis, là, elle va reconnaître tout paramètre pour respecter. Donc, bah, c'est très avancé. De nos jours, même low frequency inverter, bah, c'est parti bagay encore. Yo vraiment, vraiment avancé. Yo bon possibilité pour mettre un parallèle et pour qu'on cap gagne un panel control qui permet de gérer yo pour qu'on tout ça pour faire. Donc, c'est ça, ok? Nous étions pour nous, ouais, on y a. Ok, donc, on a commencé à low frequency et puis, nous gagnons Magnum Dimension. MS4024 et compagnie non c'est Magnum Energy. Donc on va inverter ça avec marqué Magna Sign sur yo, OK? Donc c'est une très très bon inverter et puis qui l'a longtemps sur marché là, qui fait non quoi. OK? Et puis alors marge n'a kembe a c'est entre 3000 et 5000 watts, mais most likely nous dans 3000 watts. OK? C'est dans ça. Ça me choisit, oui. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est ça seulement le gagné, mais moi, je choisis ça spécifiquement pour me parler de lui. Comme moi, il paraît un petit genre plus applicable pour Kai. Et, ok, sans monde pas besoin de faire excès, vraiment. Low frequency inverter, c'est, on va dire, parmi élite, ok? Donc, il n'y a pas un bon marché du tout. Mais, bon, il y a 20 ans, 30 ans suivant, j'en gère. Et puis ça tout inverter ça de nos jours pas penser c'est même pas longtemps et quand il y a un paquet d'options, paquet d'autres options. Donc comme nous pas le remarquer là, OK? Et puissance c'est 4000 watts, il fonctionne sur 24 volts et puis pic puissance là, puissance de démarrage pour le démarrer en série de appareil à moteur, compresseur, genre de bail ça. C'est 5800 watts pendant 5 secondes et puis 4500 watts pendant 30 minutes. C'est-à-dire si on a un appareil qui dépasse puissance là qui ont 4300 watts. Il y a une possibilité pour qu'on utilise pendant 30 minutes. C'est-à-dire que si on a un grossier électrique, généralement, on sait de grossier électrique, je vais montrer dans la photo. Bah, si on prend pile, puissance peut démarrer. Ou du moins, pour fonctionner tout. Ok? Et puis, operating temperature, il fonctionne entre moins 20 degrés C jusqu'à 60 degrés C. Ok? Dans l'intervalle ça. Et puis, AC input voltage, il prend 110 ou bien 120. Ok? Et puis, input battery voltage range. Pour batterie, la prend entre 18 volts jusqu'à 33 volts pour 24 volts qui c'est nominal voltage lien, OK? Et puis continuous battery charge, la charger batterie à 105 ampères, les gars, chargeur 105 ampères DC sur, OK? Et puis AC relay transfer time, les transférer, les fait transfert saute dans courant de ville pour mettre inverter dans 16 millisecondes que on pas même remarquer. Et puis bon warranty, 3 years warranty, parts and labor, ça veut dire couvrir toute bagaille. Ni changer pièce ni pour main d'œuvre ou pas payer un rien pendant 3 ans. Donc gros compagnie c'est sous ça surtout pour remarquer parce que yo croient dans appareil yo croient dans pièce que yo utiliser et puis bon garantie quand même. Prix c'est $1,883.54. N'a pas continuer. OK, nous gagne Outback VFX 3524 et notre compagnie c'est Outback Power System. Puissance inverter ça que n'a parlé de l'IA c'est 3500 watts 24 volts. Les gon pic wattage qui 6000 watts et puis les bon 5400 pendant 5 secondes et puis bon 4000 watts pendant 30 minutes. Donc ils sont avantage. On a fait comparaison ça parce que même le normalement l'utiliser les cap bon maximum de 3500 watts mais le bon possibilité pour utiliser 4000 watts pendant 30 minutes, c'est intéressant. Et puis operating temperature, il fonctionnait entre 20 à 40 degrés C pour jusqu'à 60 degrés C, intéressant. Moins 40 degrés C, c'est-à-dire, et quand il fait frais en pile. Que nous n'avons pas de température en Haïti, vraiment. Et puis, AC input voltage range, les gros stabilisateurs sur lui. Ça, intéressant. Très intéressant. Donc, il prend entre 85 volts AC de courant de ville ou bien génératrice pour jusqu'à 140 volts. La régulée, la baoule stable, 120 à la sortie. OK? Et puis input battery voltage range li, il prend entre 21 et volts pour jusqu'à 34 volts DC dans batterie.
Et puis, continuons à faire le charge output. Chargeur sous l'IA, son chargeur 82 ampères. Et puis, il y a 2 ans, limited warranty, il va couvrir tout le bagage. Il y a bonne information, il y a le si tu as un problème. Et puis, le prix, c'est $2,150.83. Waouh, c'est cher. Ok, on va avancer. Nous avons Victron Multiplus, 24,3000. Alors, 24,3000. Victron, comme nous connaissons, est réputé pour. C'est-à-dire, un brand qui vraiment est avancé dans la technologie. Toute option est barre pour utiliser barre sur téléphone, pour changer paramètres, pour faire un de barre. Donc, inverter, ça, c'est de même. Brand, c'est Victron Energy. Et puis, inverter, c'est 3000 watts, les phonés. Et puis, peak puissance, c'est 3000 watts. I mean, 6000 watts, je dirais. Et puis, ils ont assez input voltage 110 volts, 120. Ok? Et puis, à partir de input voltage, nous connaissons la charge de batterie parce que ça a un gros transformateur en pour charger batterie. Input battery voltage range entre 19 et 33 volts DC. Et puis, continuous battery charge output, ils ont 70 ampères chargeur sous lui. Et puis, ça a dit, you can add up to 6 units for an output power of 18 kilowatts. Wow! And then, yo dis qu'on peut mettre jusqu'à 6 units comme ça en parallèle pour qu'on joue un maximum de 18 kilowatts. Ça c'est pas utiliser gros entreprise, gros entreprise. Et puis la baille 420 ampères à la sortie, c'est-à-dire l'additionner toutes les units. Et puis garantie les mêmes 5 ans, assez intéressant. 5 ans garantie. Et puis prix c'est $1,398.34. Encore une fois, gros compagnie, là, quoi dans tête, yo, tout bon, c'est là où fait remarque là. Yo bon garantie qui est assez large. OK, son pile temps. Et puis nous gain Centrex, OK, Centrex et puis qui est Schneider Honnikunia et puis Centrex Freedom SW3024. Alors, en pile dans la compagnie, yo, pour le fait que tu gagnes non, en pile dans la nouvelle compagnie qui a acheté, parce que Schneider a acheté Centrex. Mais yo toujours utilisé Centrex. Yo ont ni certes, mais yo toujours utilisé brand name. Là, parce que quand on est en pile de monde, tu es toujours apprécié. Et Centrex, tu es parmi élite dans les affaires inverteurs, c'est-à-dire Trace, dans le temps, et puis tu es venu Centrex. Donc, et puis, brand name, non compagnie, c'est Centrex Technology. Et puis puissance 6 c'est 3000 watts et par 24 volts DC, ok. Puis puissance 6, puissance de démarrage là c'est 6000 watts. Et puis operating temperature, sous température fonctionnée c'est moins, de bien dire moins tout à l'heure, 20 degrés C pour jusqu'à 60 degrés C. Et puis assez input voltage range, les grands stabilisateurs sur les tours, assez intéressant. 85 volts pour jusqu'à 140 volts, assez la prend et puis la stabiliser les bons 120 à la sortie. Et puis input battery voltage range la prend entre 20 et 32 volts dans mes batteries dans intervalle ça la fonctionner. Continuous battery charge la fait 75 ampères, il charge 75 ampères sur lui que la baille, OK, pour charger batterie. Et puis il est compatible avec lithium et iron phosphate et puis floated gel et GM battery. Alors tout gain même les pas mentionné dans détail mais tout inverter ça, on a parlé de l'autre bon option. Parce que on essaie ça à la mode qu'on y a. Tout, il y a plusieurs styles batterie, plusieurs styles. Ok. Donc, Biodo, this inverter offers series and parallel stacking compatible to enable twice the rated output and operation of 240 volt AC application respectively. Biodo, les bonnes possibilités apparaissent à les bonnes possibilités pour cap mettre plusieurs unités ensemble, juste pour cap sous besoin mettre le non 240 volts sous besoin fonctionner sous lui ou capable ajouter deux soit en série juste pour augmenter voltage sorti pour capable utiliser mais quand même bon possible pour stacker. It is compatible with optional accessories such as the system control. Yo dis bon possibilité pour acheter ou pas acheter là pas un système control côté l'homme mettre en série ou bien parallèle là système control là c'est lui qui cap contrôler pour le bon comment il charger batterie pour le bon toute information cap véhiculer dans mi-temps là. And automatic generator start. Les bonnes possibilités de acheter sont l'autre accessoire lié. Automatic generator start là pour qu'ab start générateur qui servit avec bouton yo. Et puis vous connectez la velle et puis les mêmes la prend contrôle là l'elle sentit batterie yo baisser et puis le start lié automatiquement et puis la alimenter car la charger batterie. Donc les bonnes possibilités ça. Il y a 2 ans garantie sur lui et puis prix c'est $1,587.16.
OK, Schneider qui on Centrex ça, c'est les mêmes. Alors il fait un très 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 bon inverter. Schneider Connex 865 40 24. Donc ça c'est non modèle nous a parlé de lien. Et puis brand nan, c'est Schneider Electric, puissance li c'est 3400 watts. Et puis puissance de démarrage là pic pour une série de appareils à moteur et puis compresseur. Là prend 7000 watts pendant 5 secondes et puis 4000 watts pendant 30 minutes. Intéressant. Operating temperature minus 24 degrés C, là prend entre moins la fonctionner entre moins 20 degrés C jusqu'à 60 degrés C et puis mettez l'en Fahrenheit, très important. AC input voltage range, OK? Là les con stabilisateur sous les tout, là prend entre 95 volts AC de courant et de ville ou bien génératrice. Et puis il a fonctionné entre 95 jusqu'à 135 volts AC single phase jusqu'à 135 et puis sous besoin fait split phase la prend 270 pour ça cap bord 220 genre de base soit fonctionner sous 240 tout ça split I mean split phase OK et puis input battery voltage range la fonctionné entre sous batterie OK la prend entre 20 jusqu'à 34 volts DC. Continuous battery charge output, li gon chargeur solide de 90 ampères. Et puis garantie depending on the country of installation, tout dépend du pays, il y a bon 2 ans ou bien 5 ans garantie. Et puis prix c'est $1,599.37. Alors bien entendu, faut mentionner que prix yo pas jamais stable. Comme nous connaît en commerce, c'est-à-dire dans business, de temps bas la gen plus demande sur marché a, yo gen tendance à monter prix, OK? Donc prix au pas stable, c'est à dire semaine ça on aura prix au comme ça et puis après 2 semaines ou bien 3 semaines soit le descendre ou bien le monter, OK. Ames Power, OK, n'a servi à Pico GLF 40W 24V 120. OK, ça non compagnie c'est Ames Power. Alors lui c'est une bon yo et puis peut-être nous cap dit pour la petite bourse surtout, OK, parle pas vraiment exagéré dans le prix et puis bon des produits de qualité quand même. OK, pic puissance li c'est 1200 watts for 20 seconds. OK, li bon 1200 watts pour 20 secondes, soit disons 300 fois capacité, OK? Et puis 300% puissance, alors puissance que li bon là, OK? Et puis input voltage li et pour AC parce que il y a un gros chargeur dedans comme dit non, low frequency inverter. Et input voltage il prend 110 120 il fonctionnait bah ça nominal voltage et puis il fonctionnait sous 24 volts pour batterie. Input battery voltage range entre 21 et 31.4 volts DC et puis continuous battery charge output il y a multi stage charger of 50 ampères. OK, multi stage nous connait ça lié c'est toute stage pour charger batterie qui gain bulk absorption flow charge and equalization, OK, c'est tout ça pour bay couramment bat flooded, OK, led acid battery juste pour batterie en santé pour nous gérer tout bagage ça yo. Donc n'a parlé de ça dans vidéo et puis il y a 7 types de batterie setting pour qu'a ajuster et, en tout cas il est intéressant mais nous connaît dans lithium batterie seulement il y a plus que 6 catégories. Et puis en tout cas un paquet de style batterie de là de nos jours un paquet de style batterie que n'a pas exploré. Yo bon garantie et 1 an limited warranty. Waouh. Mon garantie ça va trop en tout cas. Et puis prix lui-même c'est $1,242.26. Ames Power, OK? OK, là donc soutenant low frequency inverter n'a pas high frequency inverter. High frequency inverter c'est ça couramment nous utiliser. Nous j'en acheter bon marché. Yo pa gen gros transformateur dedans, yo pa gen chargeur de ce fait, yo pa gen rentrée courant de ville. C'est juste n'a utiliser yo off grid completely. C'est-à-dire nous pas dans courant de ville même. Nous pas ka mettre courant là-dedans, y a sauté, OK? Yo même yo vend bon marché et puis gen là dedans bon pile. Donc nous va parler de ça bon yo là, parmi ça pi bon yo, OK? OK, micro solar, ça c'est un inverter m'te acheté deux là-dedans. Sur Amazon en 2017 et puis depuis l'homme pas joindre encore mais ça yo superbe inverter ça yo pas gagne rien pour me reprocher c'est-à-dire yo gagne overload protection c'est-à-dire même l'autre a dépassé puissance là yo crier ping puis clap yo éteindre et puis même sous ta fait court circuit short circuit protection yo fait court circuit plusieurs fois sur déjà utiliser la caille moi personnellement tout de inverter ça la caille moi dans deux côtés de gagne OK.
Donc, je viens chercher pour le troisième côté pour me mettre dans l'autre cas, même pas de cas, je n'y ai encore. Et jusqu'à présent, si on est tombé sous ça, on va acheter. Ça m'a une garantie. Bon bagaille. Jusqu'à présent, il y a observé la caille. Et je malgré grand pile, si on des fois foncé de négligence, foncé de bagaille, pour sauter, on va me sauter. Deux, ça a fonctionné. Donc, il y a une province avec une ville. Donc, ok, micro-solar, et puis. Voltage li, alors nous pas joindre sur le marché comme moi dit bien dit, même parler de li quand même juste pour reconnaissance, OK. Voltage li, c'est sous 24 volts li fonctionner, puis 120 volts li ba à la sortie, puissance li, c'est 3000 watts, pic puissance c'est 6000 watts et puis bon on 15 pieds, il monte, OK, ou cap mettre on remonte devant les 15 pieds pour cap éteindre et lumière à volonté, OK. Et puis pril, on a acheté 326 dollars. On va continuer ça, on pas besoin, on va continuer de l'autre. Alors, high frequency inverter, on pas besoin trop de détails pour nous dire parce que yo pas prendre input, yo pas gain charger, yo pas prendre input voltage, OK. Amen, l'aime dit input voltage courant de ville. Nous comprendre. Et puis yo pas prendre panneau solaire tout pour charger, faut gain charge contrôlé à pas pour yo. WZRELB, ça c'est famille pam, monde pam, monde China yo. Alors, moun sa encore une fois, m'di yon consomme service qui est assez intéressant. De pour relé yo, après le yon en nuit seulement, c'est-à-dire bon, minuit, 11h, 10 soir, minuit, 9h du matin, pour kap jwenn yo, mais yo aide en pile, yo répond à tout son besoin, tout exigence yon répond à yo. Donc, m'ba yo respect, mais yo fait appareil de qualité tout, c'est-à-dire, ouais, ça c'est nouveau inverter yo fait yo. Ça avant yo te gen couleur vert, comme m'a montré dans ce photo yo là, mais ça, les mêmes. Les gens surge power protection qui good là start en pile bay, OK, overload protection tout là crier elle pas capable bomba mais elle pas sauter ça bon, mais ça avant couleur vert là il y a quelqu'un qui rentre plein de lit comme pas trop bon, même servir avec eux m'pa rien pour me procher contre parce que nous toujours essayer respecter tout ça demandé au maximum et m'a conseiller non de même, c'est-à-dire faut nous toujours les livre le n'achète un appareil qui c'est inverter charge contrôleur ou bien batterie ou bien panneau solaire non lit toute information yo respecter ça yo di yo parce que compagnie qui fait bal là son pile gros ingénieur des personnages qualifiés il prend pour faire travail pour les monde qui grand pile expérience donc le comme ça les yo sorti un produit yo testé c'est à partir de toute test yo fait puis yo di non mais comment pour nous gérer il faut nous suivre ça livre yo di am toujours encourager nous les livre tout le temps même si nous pas acheter le nous acheter pas même si pas tabar nos livres mandel quand même, OK? Alors acheter chez l'online. OK. On va faire rapidement WZRLB 24 volts 3000 watts, brand nan, c'est Power Reliable Company, puissance c'est 3000 watts, pic puissance c'est 6000 watts et puis input voltage li c'est entre 21 et 30 volts DC et puis lightweight design with six kind of protection system. Yo do tout système protection yo. Li gen overload cut off protection. Lo dépassé et chargement sous li a et puis la couper. Li gen under voltage and over voltage alarm de pou bal un trop petit voltage ou un gros voltage qui dépasse marge là la brûler et puis la couper et OK le gain protection ça il gain over temperature s'il chauffe trop la couper et puis short circuit protection la couper ça yo li respecte yo vrai ça li respecte il pa gain d'autre tout ça et puis bon un an garantie et puis prix c'est $364.73 ça c'est bagarre moins gagné mais essayer et installation de fait la scarobas m'a mettre dans l'air pour nous en anglais parce que m'étais fait publicité à pour compagnie là ça. Donc c'est li, c'est 6000 watts d'acheter là-dedans. Donc yo bon, est très très bon. Rien à reprocher, OK? Bon bagaille. WZRELB. OK, Jendel lui-même et compagnie non, c'est Jendel et puis input voltage dit alors la fonctionner sur 24 volts DC batterie et puis puissance 6 c'est 3000 watts. Pic puissance là c'est 6000 watts et puis nominal input voltage il fonctionnait sur 24 volts mais il a marché entre 19.6 et 32 volts DC. Et puis 2.4 USB, OK, la bonne possibilité pour charger, il y a un USB qui a bonne possibilité pour charger téléphone sous devant. Et puis bon remote avec qui a 15 pieds pour cap contrôler la volonté à distance. Amen. Pas pour cap éteindre mais faire genre de bagage pour cap faire toute bagaille. Que montre en l'air là dans qui file enroulé là dedans. Et puis, bon, garantie de 18 mois. Et puis, prix, c'est $522.56. Alors, on a mentionné que pour tout inverteur, nous n'avons pas ouais, nous respecter même bagaille. C'est parce que toute compagnie yo baille des informations différentes. Quand vous n'avez pas baille tout détail yo vraiment. Tout pas baille tout détail yo même genre, OK? C'est ça qui fait nous avons remarqué que nous n'avons pas un marché à suivre qui typique pour tout.
OK, go wise, bon bagaille toujours, bon bagaille. Donc moi il fait même bagaille là, les antigens y a suivre Sam te Michael Sola là. Il presque même compagnie. Alors faut me dire nous ça, rien c'est des pièges jou. Grand pile compagnie chinoise ça fait, il crée des appareils voyer sur marché là et puis il y a 20 en pile monde a acheté et puis kounye a log un problème là dedans après les compagnies ou bien les consommateurs service ou pas faut joindre monde. Donc faut nous porter attention à ça. Ça yo c'est compagnie me connaît, m'pa pas le voyer monter, m'pa pas le faire nous prendre en piège jou. Mais méfiez-nous avec conseil de compagnie surtout dans affaires et hybrid yo que nous parle plus devant. Grand pile compagnie qui juste marqué hybrid inverters, yo pas gain non, yo pas gain bail et puis nous courir acheter bon marché et puis devant nous prendre un problème, OK? Évitez ça. OK, go wise. Alors, m'di faut me prendre quelques 12 volts tout parce que pour mon 12 volts moi yo, il n'y a pas que 24 volts, 48 volts, il y a quelques 48 volts nous pas le plus devant là, mais quand même et 12 volts toujours exister, ne pas mettre le de côté, moi me prendre deux là qui 12 volts, OK? Et puis mais quand même comme toujours dit non, de temps nos câbles fonctionner son pire au voltage et puis bon pour nous. Parce que et j'ai m'te montré non, n'a bon paquet de bénéfices n'a fait dans fil avec charge contrôleur. Et puis inverter est presque toujours même prix à hein, quel que soit gamme voltage là, OK, mais quand même de temps de faire sous pire le plus bon pour nous. D'ailleurs pour charge contrôleur à tout le plus bon conversion non, il pas font trop gros conversion, c'est pour le prendre un haut voltage pour le mettre le plus bas, OK, voltage donc les plus efficaces là, on ça la beau plus rendement, OK. Ça sont 3000 watts et puis pic wattage c'est 6000 watts, input voltage c'est 12 volts. Et puis, bon, il monte là-dedans qui 15 pieds. Et puis, il y a un USB devant. Et puis, garantie à 1 an. Limited warranty. Il va couvrir toute baïonnette. Et puis, prix, c'est $408.59. We know G. Bon bagay. Ok, marché une inverter ça yo. Que nous mettons l'ascar au bassou. Bon côté. Et alors, pas mon l'ascar au bassou. Parenthèse. Juste à le faire travail. Ok. Et we know G 3000 watts 12 volts DC et puis il y a 120 à la sortie. Brand c'est we know G puissance c'est 3000 watts et puis peak puissance là peak wattage 6000 watts input voltage, OK, la batterie la prend 12 volts et puis plus sine wave. Alors tout inverter ça nous parler de yo net qui c'est low frequency high frequency ou bien hybrid, nous va parler yo tout net c'est pure sine wave inverter, on va prendre modify wave parce que modify wave vend plus bon marché, mais pure sine wave yo yo bon signal qui pi pur, c'est-à-dire tout appareil fonctionner sous yo sans problème. Comme noté qu'on a vraiment que peut-être conseil de modify wave là n'a pas utilisé une série de téléphone n'a pas chargé téléphone sur pas chargé ou bien n'a pas utilisé blender n'a pas utilisé de bagage qui gain moteur, nous on remarque qu'il a fait gros bruit, donc on va utiliser modify sine wave, on prend tout net pure sine wave tout inverter ça là, OK. Et puis yo, yo juste mentionné que 12 volts pure sine wave inverter et puis overload protection for both DC and AC output to prevent damage to the components and the unit. OK, yo dou yo mette protection sou li, il gagnen protection ni nan parti AC ni nan DC pour éviter pour appareil ou ta sauter ou bien li même tout pour pas endommager. Et puis yo bon wire remote qui 16.4 pieds, OK, et puis garantie 1 an material and workmanship, OK. C'est-à-dire yo vle di y a si il y a une pièce qui gâte, il y a changé et puis pour main d'œuvre tout, ou pas besoin de payer. Il y a couvert tout bail sur une garantie et puis prix c'est $353.56. Now, nous tombons dans hybrid inverters. OK, hybrid comme non l'indiqué, c'est un mélange parce que généralement là on hybrid quand on cheval qui fait petit avec et bourrique, là on ça le ba ou on hybrid. Hybrid yo généralement par contre fait petit. Alors pour bête mais pour ça yo la fait petite parce que la bon courant à la sortie, il y a bon courant pour servir. Donc hybrid inverter ça yo fait eux-mêmes, yo prend et courant de ville et générateur parfois ou bien générateur, OK, n'a pas dire comme ça, mais gagne prend tous les trois et puis yo prend panneau solaire tout et puis yo mélange yo, c'est-à-dire pour charger batterie. Gagne des fois bay priorité bon possibilité pour prioriser youn si gagne par exemple panneau solaire ou prioriser panneau solaire comme pas le pied devant. Et puis hybrid inverter yo gen chargeur là-dedans yo et puis yo gen deux chargeurs, yo prend ni yo gen ni charge contrôleur là-dedans yo ni un chargeur qui fonctionnait avec AC pour charger batterie yo. OK, donc OK n'a poue et Solok 12 kp, alors yo le 12 kp yo dit ça 12 kW mais pas 12 kW pour le bord lui-même que pour prendre la batterie pour le bord 12 kW, non,
li bay 12 kW la certes, mais yo pa l'explique au plus devant comment le bay li. Alors, Solok nan moment yo la c'est une pi bon yo l'a mené parce que l'a conquérir marché a. Il est vrai nan grid time inverter nou gagnen in phase and then solar edge. OK bay sa yo yo a mené nan grid time inverter. Ça même, ils sont grid time inverter tout, grid time on te parler de yo tout à l'heure. Il y a une bonne possibilité pour utiliser panneau solaire sans qu'on pas bien batterie, mais ça a même non seulement une bonne possibilité ça a tout, mais ça sert via batterie par contre ou obligé une batterie pour servir avec pour utiliser le gain base battery system et puis au cap faire utiliser le grid tie pour prendre courant panneau solaire pour l'utiliser dans cas là et puis si toutefois et cas là comme tout grid tie aussi toutefois cas là pas consommer trop et pour une possibilité pour vendre à l'état. Mais pas applicable pour Haïti vraiment, mais sinon que ça applique pour Haïti parce que ça a bonne possibilité pour utiliser l'off-grid tout. Off-grid veut dire hors de courant de ville, quand vous observez avec batterie seulement. Donc, et puis ça, la conquérir marché à un moment là parce que font pile et publicité en pile avantage tout, comme nous pas le manquer. Ok, alors Solok 12 kP, non compagnon c'est Solok, et puis puissance 6 c'est 4800 watts que le barou, saute dans la batterie, ok, comme inverter. Et puis 40 ampères. Pic puissance 6 c'est 13 000 watts. Ok? Et puis maximum PV voltage, il prend entre 150 jusqu'à 425 volts. Maximum PV wattage, puissance la prend de panneau solaire qui alimente pour le charger. Yo. Batterie, yo, la prend 6500 watts dans mes panneaux solaires maximum. Et puis battery voltage range, il fonctionne sous 48 volts. Ok? Et puis la fonctionne entre 43 volts et 63 volts. Normal ça, deux batteries. Ok? Et puis surge AC power, ok, puissance de démarrage, la prend dans 100 millisecondes, la Kimbel, ouais. Et puis qu'on y a dit maximum allowed PV DC capacity. Alors faut mentionner le gain 2 MPPT charge contrôleur là-dedans. Et puis c'est ça que expliquer là. Tous deux charge contrôleur ça yo, yo chaque cap prend 6500 watts indépendamment. Yo pas ensemble, yo chaque détaché. D'ailleurs si on moun vle ou ka met un groupe panneau solaire face south, on l'autre groupe vers le nord, on prend face north et puis ou ka met un groupe panneau solaire vers le sud, un groupe by face au nord et puis c'est-à-dire le matin ou bien le après-midi pour ka bénéficier de maximum et soleil là possible. Alors si vous voulez, mais quand même on ka toujours mettre au même jamais juste dis non, les gain deux indépendants charge contrôleur, fonctionner indépendamment, l'un de l'autre. De pour une capacité de 13 000 watts, ok? C'est-à-dire qu'il y a Bali à input de tout de bah, charge contrôleur. Et puis, il dit maximum PV power delivery to battery. Ça, que le panneau solaire, il y a une batterie, ça, il prend 13 000 watts, là, il y a un maximum de 12 000 watts. Parce que nous, on est toujours qui perd, pas bon full efficiency vraiment. On n'a pas rien qui bon full efficacité, là. Non. Et puis, il dit, il fonctionne avec l'aide acide de batterie et puis lithium ion. Yeah, généralement, tout bah, ça fonctionne sur toute batterie. Ou juste après le menu pour mettre en fonction de qui batterie ou pas ajuster en fonction de qui batterie observer. Et puis ça a 10 ans garantie, ça fait me dire qu'on a conquérir marché. Et puis prix c'est $7,398. Yo font pile investissement et ceci yo ba en pile avantage, en pile monde parler de yo, ça yo bon, très 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 bon. Très 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 bon. Solok, OK, hybrid inverters. OK, nous gain Outback Power Skybox. Qui c'est SBX 5048, il fonctionne alors il bosse 120 volts 240, il bosse split phase, il y a tout deux, OK? Et puis non compagnon c'est Outback Power et puis puissance li c'est 5000 watts ça, OK, 5 kW. Et puis peak wattage li c'est 8000 watts et puis il bien maximum PV voltage que la prend voltage dans mes panneaux solaires jusqu'à 600 volts. Nominal voltage il fonctionne sous 48 volts. Et puis battery voltage range la fonctionner entre 42 jusqu'à 60 dans mes batteries dans l'intervalle ça et puis il y a MPPT et voltage range alors que la prend pas panneau solaire pour charger batterie OK entre 250 jusqu'à 600 volts continuous battery charger il y a ça vraiment faible un battery charger solide qui 24 ampères wow sous et pendant si la fonctionner sous 25 degrés C. Ça a vraiment petit hein. Pour 5 kW, il vraiment petit. De toute façon, c'est là encore m'a dit non, c'est en fonction de choix nous connait qui appareil pour nous prendre ça nous préférer. Et puis température range, elle a fonctionné entre -20 degrés C pour 60 degrés C.
Et puis pour jusqu'à 60. L'autre tiré nous devant 60 là, c'est pas moins 60 non, c'est pour jusqu'à 60 degrés. Entre moins 20 pour jusqu'à 60. Et puis il y a reverse polarity protection. Yes, OK, intéressant. C'est-à-dire sous ta inverse polarité, l'op connecté la batterie, l'op alimenté la batterie, li pa sauter. L'op juste pas allumé. Et puis il y a une garantie qui dure jusqu'à 10 ans tout comme solar clan avant. Prix lui-même c'est $4,136.16. Outback, même Outback qui fait Outback Flex Max, ok, que nous connaissons. Alright. Ok, et puis nous avons l'autre hybrid, ça a sorti en Chine, GoWatt, Powering Tomorrow, ça a le slogan. Yo. Et puis nos compagnies, c'est GoWatt, New Energy Technology, ok, et puis COLTD, et puis puissance là c'est 3000 watts, peak puissance là c'est 6000 watts. Nominal voltage, il fonctionnait sur 24 volts. Et puis PV maximum PV voltage 145 volts au cap balle à l'entrée dans le panneau soleil. Et puis PV wattage pour un maximum de 2000 watts. Ça est important de dire ça. Pour charge contrôleur, si n'a servi charge contrôleur simple ou bien pour ça qui gagne charge contrôleur là-dedans et qui gagne un chargeur pour assez tout. Il y a deux types de chargeurs sur, OK? Donc faut nous respecter ça dit dans le livre, très important. Les gains input voltage, ok, pour courant de ville ou bien génératrice, les tout stabilisateur là-dedans, et sous 120, les fonctionner, mais les prend entre 95 jusqu'à 150 volts, assez wow, intéressant. Et puis le grand MPPT, chargeur solaire, chargeur contrôleur de 80 ampères, et puis les supports parallèles, parallèle operation, up to 6 units. Les cas où cap mettez 6 ensemble, en parallèle. Juste pour augmenter la puissance de sortie, soit pour faire alimenter une gros usine ou bien un caille qui a un paquet de balles là-dedans. Ok, et puis il y a the warranty period is 5 years from the date of installation. And no more than 5 and a half years from the date of delivery from the GrowWatt factory. Ok, ça veut dire par là, il y a que les gens ont une garantie de 5 ans et pour date où commencer à servir avec là. Et puis, ou du moins tout, ou bien un maximum de 5 ans et demi et de date de délivrer le barou, ou livrer la carou. Ok? Prix lui-même, c'est $887.22. Ok? GrowWatt, ça c'est China. MPP Solar Hybrid, 2400 watts, 120, ok? Oui, puissance 6 c'est 2400 watts, alors nos compagnies c'est MPP Solar, ok? Et puis puissance de démarrage li c'est 5000 watts. Et puis maximum PV voltage c'est 145 volts que la prend dans panneau soleil yo. Et puis maximum puissance que la prend de panneau soleil tout c'est 2000 watts. Faut respecter de base yo. Respecter voltage a, pas dépasser voltage, pas arriver trop près là pas mettre 130 parce que des fois sur un panneau soleil connecté out et puis au monter voltage ça qui connait bah, problème. Pas arriver trop près et puis pas dépasser et puissance les jours que le prend en input là très important faut nous respecter ça et dans charge contrôleur et dans ça quand on ligne charge contrôleur là-dedans et puis nominal voltage il fonctionnait sur 24 volts et puis maximum MPPT chargeur le MPPT solide qui bail 80 ampères waouh ça c'est extra hein et puis maximum AC charger pour le prend courant de ville ou bien génératrice il gon chargeur 60 ampères là-dedans et puis supporté parallèle pour qu'on mette en parallèle jusqu'à 9 là-dedans, ok, 9 units comme ça, et pour qu'on augmente la puissance de sortie. Et puis, il y a un an garantie, et puis prix c'est $658. Ça va être bon marché. Alors, comme c'est 2400 watts et tout, ok, ça va pour la petite bourse. Hein? Ok, WinOG, vous parlez encore, vous faites surface toujours. Dans le hybrid inverter, WinOG est très bon, ça va fonctionner sur 48 volts, 3500 watts. WinOG c'est marque respect, bon bagay. Ok? Et brand c'est WinOG, et puis puissance li c'est 3500 watts. Pure sine wave inverter, le mentionné encore, mais l'immensionnel, mais tout c'est pure sine wave, tout ça me parle honnête dans ça. Et puis peak puissance li c'est 7000 watts, et puis maximum voltage que le prend dans le panneau solaire, PV voltage, PV c'est photovoltaïque qui représente le panneau solaire, ok? Comme nous connaît même juste rappeler et maximum il prend voltage du panneau solaire c'est 145 volts DC et puis maximum PV wattage il prend 4400 watts ça en pile hein
avons gros et charge contrôleur sur lui et puis nominal input voltage il fonctionnait sur 48 volts mais dans intervalle 40 ou bien 60 volts DC et puis le grand MPPT charge sur lui charge contrôleur qui 50 ampères pas mal et puis température qu'elle fonctionnait là dans là lui entre moins 15 degrés C pour jusqu'à 55 degrés C OK et puis il dit il gagne 4 charging modes li bo PV c'est-à-dire priority li gen 3 charging system li bo PV priority qui c'est panneau solaire ba priorité et puis utility courant de ville li ba priorité ou bien hybrid charging li mélanger tous deux ou cap mix tous deux ou bien solar only OK et puis il dit 3 load output modes alors presque même bail là PV priority alors pour output load yo li ou cap rentrer dans menu ou modifier ou ba possibilité pour le mettre panneau solaire yo ba priorité c'est-à-dire le gen soleil li ba panneau solaire la prend le dessus et puis si toutefois soleil la font si baisser et pour cap mettre utility courant de ville là vin te cover ou bientôt cap faire servir as inverter only c'est ça yo dans ça yo là et puis this unit allows single phase parallel connection for up to 6 for maximum output wattage OK yo du li bon possibilité pour cap mettre alors single phase this unit allows single phase parallel ou cap mettre dans single phase yo ça ce qui fonctionne sous 120 yo et près de 6 en parallèle pour maximum output OK et puis le bon garantie 1 an limited manufacture warranty et puis prix c'est $979.86 Winoji OK ça c'est dernier n'a parlé de l'IA qui sont gros causés maman Pemba. Alors solar clamp domine marché a mais ça lui même li font différence tout que en pile monde va courir d'elle et que alors li fait en Chine m'étais gagné en conversation avec m'a voyé screenshot yo ba non conversation m'étais fait avec eux pour me demander une série d'informations son compagnie en Chine lié et puis ça qui est intéressant chinois yo dans business chinois yo fait business parce que yo toujours bon paquet avantage parce que prix normal c'était $799 que le affiché sur website là mais par le fait que m'tap chat avec si m'tap acheté directement pour me payer il t'a coûté $799 peut-être t'ai garanti taxe encore mais par le fait que m'vienne chat avec m'a pas dans ces détails monsieur ouais que m'pa compte compagnie il besoin bonne information pour me cap intéressé et puis il dit OK puisque n'ap chat donc bon spécial n'a pas marqué dans photo et bon spécial là à $739 je ne sont pas besoin taxe bah c'est tout OK que là pas de gain en stock ça en pile dans gros compagnie yo fait connait là gros compagnie en Chine yo gagné des dépôts ici aux États-Unis c'est-à-dire yo fait toute bagaille yo vini que yo même yo fait ship yo dans bateau bay maintenant dépôt yo juste pour le vendre le monde commander pour yo cap livrer rapide parce que grand pile monde qui en plein le commander bay en Chine il prend 15 jours prend 22 jours prend mois ou bien plus même donc connait y a chercher bataille pour yo prendre marché vraiment pour conquérir marché dans tout monde pour gérer compétition OK Brand ça c'est CGNR 3000 non pas compte ça vraiment 3000 watts off grid stackable PV inverter OK les sont hybrid inverter tout mais la seule différence nous va le marquer là Brand là c'est CGNR power c'est low frequency inverter c'est-à-dire il gon gros maman gros papa et transformateur en dedans pour charger batterie tout avec courant de ville donc puissance c'est 3000 watts ça on parler de l'IA mais il gon paquet de gamme dans produit ça OK inverter yo gen charge contrôleur tout pic puissance si puissance de démarrage à 6000 watts pendant 5 secondes et puis nominal input voltage il fonctionnait sur 48 volts DC batterie yo OK et puis maximum et photovoltaïque voltage panneau solaire bali au cabal au maximum de 150 volts DC et puis maximum PV wattage 4500 watts et puis les gon MPPT charge sur les 80 ampères ouh c'est énorme et puis input voltage range li li fonctionne entre 120 et 140 volts AC OK amen sorry va entre 120 input voltage range entre 60 les grands stabilisateurs sur li la prend entre 60 wow entre 60 et 140 volts AC intéressant donc et puis le grand AC charger sous AC le point courant de ville là ou bien génératrice là bas où on sorti de 40 ampères seulement comme charge OK comparativement avec 81 l'air pour MPPT
Et puis il y a même les bonnes possibilités pour utiliser remote monitoring, Wi-Fi, ou qu'on connecte sur internet, sur un Wi-Fi là carré, et puis à partir de téléphone ou monitor, ou contrôler toute bagarre, ou regarder genre tout bagarre fonctionner. Et puis les bons 1 an international warranty. Et puis prix c'est $739.00. Donc ça, c'est bon parce que low frequency inverter, non seulement bon pile avantage dans surge power, c'est-à-dire le démarrer appareil sur yo, il y a pas vraiment de bah, problème, il supporte en pile appareil. Vous comprenez pas vraiment faire l'aide devant appareil le start et puis à l'aide de gros transformateur. Et puis non seulement ça et les mêmes et prix à bon, prix à très très bon, prix à très abordable. Et vous consommez un service assez intéressant jusqu'à présent, ok? Ça c'est dernier dans le produit, donc nous ouais tout ça qui est bon là, c'est-à-dire si on monte pour faire choix, peut-être vous pouvez estimer que le panne prix bas yo, en pile dans sac bas yo comme nous disons tout à l'heure, yo c'est modify sine wave que yo bas à la sortie, c'est-à-dire qu'on sait des appareils nous gagnera pas qu'à utiliser sous yo bien, ok? Mais quand même on monte fait choix en fonction de son rein mais son préféré, ok? Encore une fois, pas gagne un qui est bon que l'autre, comme moi dis non. Tout dépend de nous. Tout le monde est différent. Il faut un peu de tout pour faire un monde. C'est ça pour le blague. C'est-à-dire, moi-même, j'ai besoin de bagages qui bon marché. Ou même, j'ai besoin de bagages qui vivent longtemps. Comme ça, besoin de bagages qui vraiment avancent dans la technologie. Tout dépend. Pas gagne un qui est bon que l'autre. Comme ça, tout, piché par les 10 plus bon. Tout a valeur, ok? L'essentiel, c'est à partir de là, nous avons fait une déduction de choix inverter nous, ou bien parlons au monde de ça nous sentit plus bon, ou du moins ça qui bon que nous avons utilisé. Inscrivez-vous, songez ça, on a toujours dit ça. Inscrivez-vous dans la chaîne, c'est comme ça que vous supportez nous, et puis partagez le link avec Zamé. Pas dans l'autre vidéo, parce que quelqu'un qui dit que dans l'autre vidéo, ça va faire plaisir. On va faire compte, nous, hein. Pas dans l'autre vidéo, partagez le link, toujours gardez et puis, les nous aimer ça, bon, quelques likes, ok? Je suis toujours là pour commenter, je vais toujours répondre, moi personnellement, songez ça. Merci pour le temps au débat, à la prochaine, qu'est-ce que vous faites?